Alors, généralement, moi, mon pensée, dans mon expérience, ceux qui me connaissent, généralement, quand on peut opérer un vol depuis la Suisse, donc, il y a les autres voyageurs qui passent par ça, chose-là. Par exemple, quand il y a un Allemand ou quand il y a un Eastern Europe, tout ça là, ça passe par ça réseau-là, vous avez une Maurice. Mais ça dévoile là. Si vous êtes bien dans la nationalité suisse même, il est faible. Ce taux de nombre d'arrivées. Ce que tu peux utiliser, ça ban vol là, c'est comment dire, tu peux servir ça à ban les autres ban nationalités, qui ont plan de vision, le ban arrivé depuis la Suisse, après qu'ils finissent de remettre ça des vols là, qui ont plan de vision de marketing, qui ont plan de vision, qui se peut expecter, combien de nombre de touristes peut penser ça pour gagner et comment ça peut augmenter. Et quel pourcentage ça pourrait représenter le nombre des arrivées européennes à l'île Maurice. Normalement, MTPA qui peut faire une stratégie gouvernementale pour marketer ce marché-là. Mais là, nous, c'est que privé, nous pouvons suivre. C'est à Banna pour venir dire, donc, ce méthode de vol là, qui se plan, qui se stratégie, qui se peut expecter. L'autre question, déjà, ben, l'hôtel de Maurice rempli overbook. Est-ce qu'il y a une place pour ces nouveaux touristes dans l'hôtel? Non, mais il y a beaucoup d'aspects qui, si nous vous causez, bien prendre en considération.